Bonjour, namasté. Voilà, alors nous allons rentrer dans l'automne. L'été est fini, les vacances sont finies et on veut penser au bien-être et à la ligne. Donc aujourd'hui, je vais vous partager avec vous une recette qui se mange dans le nord de l'Inde où il fait froid, dans les montagnes, les Himalayas qui sont connus en haut de l'Inde. Et c'est une soupe de tomates et aux lentilles indiennes, donc un dal soupe. Donc vous pouvez commencer à manger ça le soir pour manger léger et en même temps faire le plein de vitamines et de bonnes choses. Pour les végétariens, c'est une très très bonne recette. Moi, je sais que le soir, je mange des grands bols de dal, j'ai pas besoin de manger autre chose à côté. Et dans cette recette, on coupe aussi l'acidité de la tomate avec d'autres ingrédients. Donc, je vais tout de suite passer aux ingrédients. Voilà, nous allons passer aux ingrédients. Tout d'abord, je vais prendre un ustensile à fond épais. Ici, j'ai pris une cocotte minute, mais vous pouvez aussi prendre une cocotte en fonte ou quelque chose qui va laisser mijoter votre soupe. Pour ces soupes, en premier, je vais prendre 100 g de lentilles corail. Ceux-ci sont des lentilles bio corail. Vous prenez les lentilles corail n'importe où, dans n'importe quel magasin, supermarché. Vous les lavez plusieurs fois, vous les rincez avant de vous en servir. Donc là, je fais une soupe pour au moins deux bons repas ou pour quatre personnes pour un repas. Donc, je vais prendre ici quatre belles tomates, un oignon, deux pommes de terre, une carotte, une petite botte de coriandre, trois ou quatre gousses d'ail, deux piments verts, parce que nous, on aime bien que ça soit piquant. Ça, c'est facultatif, vous en prenez pas si vous voulez. Ensuite, ici, je prends du sel, du sucre, un petit peu pour contrebalancer les tomates, du poivre, du cumin en grains, parce que ça reste une soupe indienne. Du curcuma, très bon pour la santé. On met pratiquement partout parce que c'est quelque chose qui nettoie à l'intérieur et qui soigne. C'est très très bon. Donc, on en met un peu partout. Coriandre en poudre pour le goût. Et moi, cette recette, je le fais à la base de beurre parce que je ne mets pas d'autres matières grasses, je ne mets pas de fromage râpé, rien du tout dans ma soupe. Et pour un repas du soir, il me faut un tout petit peu de matière grasse. Vous pouvez mettre de l'huile d'olive ou du pépin de raisin. L'huile de pépin de raisin, moi j'utilise du beurre dans cette recette. Maintenant, on va passer à la recette. Donc ici, j'ai fait chauffer mon beurre. Et dans ce beurre, dans un premier temps, je vais mettre une cuillère à café de cumin en grains. Ça, c'est la première chose qu'on met dans la recette. Je mélange. Et je verse mes oignons, mon ail et mes piments verts coupés en grands morceaux. Je n'ai pas besoin de couper en petits morceaux parce que je vais broyer mon soupe à la soupe à la fin. Donc, j'ai vraiment pas besoin. Je vais juste laisser colorier légèrement mes oignons, etc. Et pendant ce temps-là, j'ai pris le temps d'éplucher les pommes de terre et les carottes et je vais les couper en gros morceaux à ajouter. Donc c'est ça qui va couper l'acidité un petit peu de la soupe à la tomate et qui va donner de la consistance ainsi que les lentilles. Une fois que vous avez goûté cette soupe, vous allez la faire tout le temps. Et franchement, vous allez vous régaler l'hiver. Il va vous tarder de rentrer chez vous le soir pour manger votre dîner parce que c'est vraiment très 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 bon. Je vais partager plusieurs soupes indiennes avec vous, mais celle-là, c'est celle que je préfère. Voilà, donc j'ai laissé un petit peu colorer mes oignons et là, je vais verser mes deux pommes de terre et ma carotte et je vais mélanger de nouveau. Ici, j'ai épluché et broyé mes quatre tomates. Comme ça va
c'est beaucoup plus onctueux en faisant comme ça. Donc là, vous voyez que j'ai déjà mis mes premiers ingrédients. Je vais couper grossièrement cette coriandre aussi. Donc là, c'est pour vraiment lui donner ce goût un peu grillé, un peu noisette, qu'on fait griller d'abord nos ingrédients. Je vais mettre, je ne vais pas mettre de sel parce que je ne veux pas ajouter de l'humidité pour l'instant. Je vais mettre une cuillère à café de curcuma, une cuillère à café de coriandre en poudre. Je vais un petit peu mettre de poivre. Je vais mélanger. Je n'ai toujours pas mis le sucre dans ma recette. Donc là, je fais mijoter mes légumes un petit peu. Voilà, les épices sont enrobées, enrobent les légumes. Ensuite, voilà, ici, j'ai lavé et rincé mes lentilles. Donc, je vais les verser dans mes légumes. Je vais mélanger. Je vais baisser le feu pour pas griller mes lentilles. Ici, là, maintenant, je vais mettre le sel. Comme il y a des pommes de terre, je sale un peu plus. Et pour couper l'acidité, je vais mettre un petit peu de sucre. Donc, demi-cuillère de sel et demi-cuillère de sucre. Je vais mettre mes tomates. Là, vous pouvez mettre toutes vos tomates coupées en morceaux. Moi, je les mets toujours comme ça parce que je trouve que ça rend la soupe beaucoup plus onctueuse. Je vais mélanger le tout. Je vais augmenter le feu. Je vais mélanger le tout. Ici, je vais prendre le bol de tomates et je vais le remplir d'eau. Donc, pour 4 tomates, une pomme de terre, un oignon, des gousses d'ail et une carotte, plus les lentilles. Les lentilles ont besoin d'eau pour cuire, donc je vais mettre quand même ce récipient de 1 litre rempli d'eau. Voilà, donc là ça bout. Je vais mettre mon litre d'eau. Je vais bien mélanger le tout. Et c'est là que si je fais à la cocotte minute, je ferme et je laisse cuire 20 minutes. Et si je fais à une cocotte en fonte, ben je laisse mijoter jusqu'à ce que les pommes de terre et les carottes soient cuites. Ensuite, je laisse refroidir, tiédir et je mixe ma soupe. Je vous retrouve dans un quart d'heure pour la fin de la recette. Voilà, donc au bout de 20 minutes, j'ouvre ma cocotte minute et je découvre en même temps que vous mon dalle soupe. Donc les lentilles se sont ouvertes, les pommes de terre et les carottes sont cuites. Donc je vous dis une cuisson de 20 minutes dans une cocotte en fonte, dans la cocotte minute. Et là, soit vous pouvez manger cette soupe en écrasant grossièrement vos patates et vos carottes parce que les lentilles se sont déjà écrasées. Soit vous pouvez le mixer. Ici chez moi, on aime bien la soupe mixée. Donc je vais mixer cette soupe et je vous retrouve pour la fin de la recette. Voilà, donc je vous retrouve pour la présentation de ma soupe qui a été mixée, que j'ai garnie de coriandre frais et un petit peu de piment. Je le sers avec un papple. Ceux qui connaissent le papple, c'est une galette de lentilles. Vous pouvez servir avec des croutons, vous pouvez servir avec des petites baguettes au sésame, ou alors tout simplement manger votre soupe comme ça. Et vous allez voir qu'il va vous tarder le soir pour déguster ce soupe qui est délicieux. Essayez, faites-le plein de vitamines. Et vous allez voir qu'avec le pomme de terre et les lentilles, ça va vous tenir au ventre et ça va vraiment, vraiment vous réchauffer.
Merci, à très bientôt pour des nouvelles recettes. Au revoir, namasté.